Et salut à tous, c'est PFR Games FR. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la première saison du mode Vers une légende avec le match face à l'Olympique de Marseille. On rappelle que dans cette vidéo, nous affronterons Marseille, Saint-Etienne et Paris pour les trois derniers matchs de la saison. Autant dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur pour espérer obtenir le titre de champion de France. Si on est qualifié en Ligue des Champions, c'est déjà bien, mais le titre, ce serait encore mieux. On a 4 points d'écart avec Paris, sachant qu'il y a un match qu'on joue contre eux. Donc ça fera... Voilà, il suffit qu'on leur prenne un point et qu'on gagne contre eux. Et puis ce sera réglé. L'Olympique de Marseille contre Dijon. Allez. Ok, c'est parti. Essaie de repartir de derrière. La Saladiera. Ça va être difficile. Le Dijon SCO qui voyage bien ces derniers temps. Ça fait en effet 5 matchs qu'ils n'ont plus perdu à l'extérieur. C'est joué long, attention. Ah oh. Cabella, c'est joué long, c'est dangereux. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Trouver la faille dans la défense. Dans les runs, reçoit le ballon. Superbe timing à la limite du hors-jeu. Dans les... la faute non, il n'y a pas faute. L'Olympique de Marseille qui a peut-être perdu son dernier match à cause de la tactique mise en place. Oui, bah, le but. Et le but. Et ça va au fond. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Nickel, plus, bonne récupération. Sans regarder les buts. Et du pied droit. Voilà. Et il marque les premiers. Oh, qu'il est important ce but. Ce n'est jamais facile d'ouvrir le score devant un public hostile. Attention, si l'adversaire a été piqué au vif, il va falloir résister. Une très longue passe. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Thauvin qui est de nouveau titulaire pour son retour. Allez, 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 récupérez. Ne leur laissez pas le ballon comme ça. Oui, bien ça. Ah ! Oui ! Il joue dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Il glisse le ballon en profondeur. Ils s'en sortent. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, Gomis. Ah. Il écarte le jeu. Aïe, aïe. Mais ça ne rentre pas. Alors là, c'est un gros manque de réussite. Il a trouvé la barre transversale alors qu'il avait mystifié tout son monde. C'est bien écarté. Il était bien présent. Oh. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Tu penses surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. C'est bien fait, ça. Ah, dommage. Et un peu d'oxygène avec ce ballon. Il me la remet une touche derrière. Ça peut être dangereux. Jeu. Et 1-0 à la mi-temps. Avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause, 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Un tir de chaque côté. Bien trouvé lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Un petit but sépare les deux équipes. 1-0 à la pause. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Il choisit la profondeur. Bonne interception. Il y avait danger. De réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. Oh, y a rien, y a rien du tout, monsieur l'arbitre. Oula. Bien joué, il va pouvoir repartir. Le Dijon.
Sochaux FCO qui peut être fier de sa défense. C'est la plus hermétique du championnat. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça expliquez-vous? Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. L'arrêt du gardien. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Ouf. Ce sera le premier corner du match. Le soutien derrière lui. Et c'est dangereux. Et le deuxième but. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il y avait sûrement une faute sur moi d'ailleurs. Voilà. Il était libre de tout marquage. Je me relève le premier et je frappe. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à la main. Oh oui. Ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il file dans l'axe. Mais pourquoi pas très fort, très loin, ça soulage. J'étais pas loin du triplé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas encaissé de but. Dans le dos de la défense, il est à distance de tir. Ouh ! La passe était parfaite, c'est du gâchis. C'est la qualité de la passe qui fait tout, elle était exceptionnelle. Alors que les premières gouttes commencent à tomber, il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. C'est logique, vu ce qu'il leur a déjà fait. Chat échaudé craint l'eau froide, comme vous dites. Ah. Toléron qui a déjà marqué deux fois dans cette rencontre. C'est une occasion ça. Oh là là, magnifique. Oh magnifique. L'affaire semble être pliée maintenant. Oh, il est beau. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Ah, il est magnifique. Jusque là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Ça joue long vers l'aile. Il y aura donc touche. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Tavares qui sort, remplacé par Rivière. Bonne lecture de la trajectoire. Ouais, il paraissait bien. Ah ouais. Aussi. Ah, je suis trop avancé. Je regardais le ballon et pas mon joueur. Le long dégagement du gardien. Il a pris tout le monde de vitesse. Ah, j'allais frapper. Il restait calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Ça fait du bien. Bon centre. Oh, la grosse occasion. Et, il et le quatrième. Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue. Il continue. Quelle erreur de la défense marseillaise, encore et une fois. Sous nos yeux, un magnifique décrochage de toile d'araignée. Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher. Le centre d'abord de Torres et la mauvaise relance de Samba. Et voilà la victoire. Le match est terminé. On l'a
senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? Bah oui. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous. Merci Taren d'avoir suivi ce match avec nous. Voilà, 4 buts contre Marseille. Ouf, la première étape est réussie. Paris, on ne sait pas. Ouais, toujours 4 points. Hein. Ben, la seule chance de... S'ils perdent lors de ce match-là. S'ils perdent lors de la 37e journée, il faudra qu'on gagne contre eux, hein, tout simplement. Par contre, s'ils gagnent, eh bien, on finira deuxième. Et on est titulaire face aux Stéphanois. Et on est le meilleur buteur à présent. On a 10 points d'avance sur Lyon. Donc, on est en Ligue des Champions. 10 points, il reste 2 matchs. Il n'y a que 6 points possibles. Donc, c'est sûr. C'est sûr que nous sommes en Ligue des Champions. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement. Ce match va bientôt démarrer. Allez, l'AS Saint-Etienne. Dijon contre l'AS Saint-Etienne. Grégoire Margoton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Taren Tulette. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Le centre. Bel arrêt. S'appliquer sur ses centres. Et le ballon en touche. Wow. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Va-t-il en profiter? La défense s'en sort là. Oh, l'interception! Un peu d'oxygène pour sa défense. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Dans les runs. La frappe! Oh, quel parade! Le bon arrêt de Ruffier. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Oula! Oh, pourquoi il y va pas? Une très longue passe. C'est précise, c'est un bon ballon. Un grand dégagement le plus loin. Faut qu'il tente de loin là. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Il file au but. Le Dijon FCO qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Ouverture vers le poteau de corner. Jolie passe lobée. Ah. Dégagement. Un ballon intéressant. Allez, gardien. La profondeur. Oui, bien. Il peut conclure. Il reprend le ballon. Magnifique pour Torres. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il a frappé d'instinct, sans regarder les buts. Et il marque les premiers. Oh, qu'il est important ce but. Ils ont marqué ce but que les fans attendaient. Maintenant, ils vont devoir protéger leur avance. Glisse le ballon en profondeur. Le soutien derrière lui. Ah, dommage. En retrait pour repartir proprement. Et 1-0 à la mi-temps. Renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être le
l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Il choisit la profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Non, ça ah, trop long. Dommage. L'AS Saint-Étienne qui a peut-être perdu son dernier match à cause de la tactique mise en place. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Oui, bah il a déjà fait le coup de passer dans le dos. Alors forcément, il se méfie maintenant. Elle n'était pas cadrée, cette frappe. Dommage. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne intervention. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Oh, y a rien. Il peut frapper. Oh, bel arrêt. C'est dégagé loin devant. L'AS Saint-Étienne qui essaye de construire. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Un long ballon vers l'avant. Bonne interception, il y avait danger. Il a choisi de jouer long. Oui, c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Il centre directement. Pourra rien en faire de ce ballon. Elle sera un corner normalement. Premier corner de cette rencontre. Et il y va de la tête. Un peu d'oxygène pour sa défense. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. La faute. Plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Et ça n'arrivera pas. Ah, il y avait personne. Précis. C'est joué long. C'est joué dans la surface. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Allez, jusqu'au bout. Et le doublé. Il compte maintenant et avance de 2 buts. Et voilà, sous nos yeux, un magnifique décrochage. Le break qui est fait dans cette fin de match. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Magnifique but. Voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Un clean sheet et un match gagné. Allez, qu'est-ce qu'a fait Paris ? Paris a gagné, donc ils ont le titre. Voilà, 4 points. Dommage, on finira. Si on gagne contre, on finira à 1.2. Donc voilà, la 38e journée, le dernier match face à Paris. Et on est titulaire. Je vois juste un truc. Ailier gauche bientôt.
On va augmenter d'un. Voilà. Allez, grosse équipe en face. Cavani, Ressé, Di Maria, Pastore, Ben Arfa, Thiago Motta, Kurzawa, Thiago Silva, Toprak, Aurier et Trapp dans les buts. Et on va finir meilleur buteur de ce championnat dès la première saison. On a joué 36 matchs. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre Dijon. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut Grégoire, toujours un plaisir. Oh, la récupération de Torres. Torres. Ah, à côté. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Eh bien, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais j'adore Cavani. On le considère souvent comme un renard des surfaces, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à revenir défendre très bas même. C'est rare pour un joueur de son talent. Et puis, quel jeu de tête. Oui, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Le Paris Saint-Germain qui possède la meilleure attaque de ce championnat. Et c'est mérité. Oh, but. Ouh, le but. Le Paris Saint-Germain. Aïe, aïe, aïe. Ce match est vraiment lancé. Pastore. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher. Pastore qui a inscrit son sixième but de la saison au championnat. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Il est à distance de tir. Ah, dommage. Bon dégagement. Dijon FCO qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Belle passe lobée sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Attention! Il est passé. Aïe aïe aïe! Oh, bien joué le gardien. Trop beau. Bien joué, bien joué. Nouvelle touche. Le ballon sort en touche. Ça va être plus dur que lors du match aller où on avait gagné 3-2 avec un triplé de Torres, justement. Ce ballon bien dosé. Ah oui, bien. Par-dessus les défenseurs. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Repiquer dans l'axe peut-être. Ah, bien intercepté. Le ballon sort en touche. Sifflet, ce sera une faute. Quoi, faute? Ah, sur l'arbitre est clair, il lui dit de vite vite se calmer. Sur nous. Un coup franc pas évident, l'angle est plutôt fermé. Oh, bien s'en saisit, tranquille. Ah, et à la mi-temps, Paris qui mène 1-0. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé. Allez. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus.
Centre de loin. C'est joué long, attention. Quelle passe. Dans les runs. Pastore, qui compte donc un but dans ce match. Oui. 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 Non. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Aïe, aïe, aïe. C'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. Ben Arfa. Thiago Motta. Pastore. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Le long centre. Toprak qui est récompensé de son pressing. Dans le dos de la défense. Il joue dans l'espace. Il tente sa chance. Aïe aïe aïe, dommage. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah, ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Il centre directement. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. C'est un peu le moteur de cette équipe, donc c'est prévisible. Mais c'est à ses coéquipiers de le protéger aussi. Il tente de la jouer dans l'espace. Pressé. Ça bouge côté gauche. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Dans le dos de la défense, Cavani. Il récupère le ballon, c'était un bien bon pressing. Un long ballon vers l'avant. Ben Arfa, pour trouver la faille dans la défense. S'il le trouve. Ah, mais en profondeur, là. Un centre lointain. La défaite de Dijon. D'enthousiasme, c'est une défaite logique. Écoutez, j'en pense surtout que cette saison est maintenant terminée. On a eu notre lot de joie et de surprises. Alors les équipes vont savourer ce court repos et se projeter rapidement vers la saison suivante. Voilà, donc on finit deuxième au classement. Bon, dommage défaite face à Paris. 7 points d'écart, 4 défaites dans la saison. On est la meilleure défense du championnat. Seulement 13 buts encaissés. Donc voilà, on a marqué 24 buts, 7 passes décisives. Nickel tout ça, et on va faire juste la période des transferts. Équipe du mois, donc Torres, Di Maria devant. Vitesse à 87, finition 74, endurance 72. Ah, dernier jour. Le classement des clubs a été mis à jour. Nous venons de disputer le dernier match de la saison. Nous terminons à la deuxième place de Ligue 1. Vous avez été sacré meilleur buteur de la Ligue 1, sectionné dans l'équipe de la saison de Ligue 1. Félicitations. Vos efforts cette saison ont porté leurs fruits. Le club est qualifié pour la phase de groupe, la prochaine Champions League. Tu peux donc maintenant jouer comme ailier gauche. La polyvalence crée davantage d'occasions. C'est donc bien pour toi. Voilà, donc nouveau poste, ailier gauche. Ben après, ailier gauche, MLG, MLD, hein. Et MO, que ça donne. Voilà. Là, ça va être plus long, hein, parce que... Allez, saison suivante. On va voir peut-être qu'on sera sélectionné en équipe de France, hein, on sait jamais. Coup de pied arrêté, 60. Passe lobé, passe à terre. Endurance 72.
C'est nickel. 36 matchs, 24 buts. Et c'est Gazélec, Stade de Reims qui monte, Nancy et Metz qui descendent. Ouverture, la période des transferts. Varro a quitté le club, Rivière a quitté le club. Allez, ben, la période des transferts. On va voir si nous avons des offres. J'ai pas vu ce que c'était. Le classement des sélections était mis à jour. Eh ben, on n'a pas eu d'offres dans la période. Et eh ben voilà, numéro préféré, on a le 7. Est-ce qu'on a eu un nouveau joueur? Vous savez quoi? Je vais mettre ma date de naissance. Voilà. Alors par contre, un truc, 31 août, Ligue 1. Voyons, l'OM, Diarra vainqueur, donc Gomis, ouah, tous les attaquants. Eh, demande de transfert, on tente. Voilà. Et eh bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. C'était PFR Games FR. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.